Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve de si bon matin. Je vais vous transmettre, partager le message domaine nature animaux du jour que je peux partager avec vous. Voilà, j'ai écrit de si bon matin, je partage ensuite, comme toujours. Alors, c'est du général, faites bien preuve de discernement, je ne sais jamais sur quoi ça va porter. On découvre toujours tout cela ensemble aussi. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. On va découvrir l'animal, son précieux conseil messageux du jour. Et l'animal qui va vous accompagner aujourd'hui. Et puis peut-être l'animal dans lequel vous pourriez vous déguiser. Hein? Voilà. Ça peut être faire travailler votre imagination et de vous dire, voilà, avec cet animal, je vais me déguiser en tel animal. Voilà. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Et on y va. Alors, l'animal. Ici, on découvre. Alors aujourd'hui, ça sera le signe écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Très joli message. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Faites travailler votre intuition, votre imagination. Écoutez votre cœur. Et écoutez aussi votre cœur aujourd'hui. Alors, donc je partage le message. On parle d'un animal qui a du stress. Je vois un animal qui a énormément de stress. En fait, il y a du stress qui déclenche chez lui. Dès qu'il est dans la nature, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un bois. Alors, je vois qu'en fait, si il est en stress, une grosse montée de stress, en fait, c'est dû à son passé pour cet animal. Pour moi, c'est un animal qui a vécu un traumatisme. Il a vécu un traumatisme soit dans un bois, soit dans une forêt, par son passé. Ça l'a vraiment traumatisé, hein. Et dès qu'il voit, en fait, soit du vert, soit des feuilles, soit, voyez, dès qu'il a l'approche d'un bois, il a vraiment peur. C'est du stress, de l'inquiétude, et ça commence par du stress, et après c'est de la peur. Vraiment. Il peut grelotter aussi, trembler. Alors, pour moi, il va vraiment falloir aller au cœur de son stress, de sa peur. Et vraiment retirer tout cela, sa peur, son stress, et de le remplacer par de l'amour. Voyez, retirer ce stress, cette peur, pour qu'il n'en ait plus jamais, que ça soit remplacé par de l'amour. Il n'aura plus de tremblement et après, il pourra rentrer dans un bois très facilement, dans un chemin de promenade. Ça peut être un parc, ça peut être etc, etc. D'accord? Mais c'est très... Même pour vous, ça peut être très impressionnant, le stress que ça génère chez lui. Peut être très impressionnant pour moi, de ce que j'ai là. Voilà, voilà tout ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Chouchoutez-vous bien. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.